Bonjour à toutes mes histo-curieuses et à tous mes histo-curieux. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode spécial. Nous plongerons dans l'histoire révolutionnaire de l'automobile. Alors accrochez bien vos ceintures, car nous allons partir à la découverte de ce récit fascinant. L'histoire de l'automobile débute au 19e siècle, une époque où les gens se déplaçaient principalement à pied, à cheval ou en calèche. Mais tout cela allait changer avec l'invention de la voiture. En 1885, l'ingénieur allemand Karl Benz construit la première automobile à essence. Son modèle à trois roues, connu sous le nom de Benz Passant Motorwagen, révolutionne le transport personnel. Au début du XXe siècle, Henry Ford perfectionne le processus de fabrication automobile avec son modèle emblématique, la Ford Model T. Cette voiture, abordable et fiable, a transformé la manière dont les gens se déplaçant. Les années 1950 et 1960 ont vu l'essor de voitures emblématiques comme la Chevrolet Bel Air et la Volkswagen Coccinelle. Ces voitures sont devenues des symboles de la culture automobile de l'époque. Les décennies suivantes ont apporté leur lot d'innovations, avec l'introduction de la traction avant, des voitures compactes et des technologies de sécurité avancées. Aujourd'hui, l'industrie automobile se tourne vers l'avenir, avec des voitures électriques et autonomes. Ces avancées permettant de révolutionner la façon dont nous nous déplaçons et contribuant à la préservation de notre environnement. L'automobile a parcouru un long chemin depuis ses débuts modestes, mais son histoire est toujours en cours. Qui sait ? Quelle merveille nous réserve l'avenir. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui dans cet épisode spécial et je vous dis donc à samedi prochain pour votre nouvel épisode dans Non loin de chez toi.